Kristine Lilly, good shot, great goal! Fabulous goal from Kristine Lilly. There she goes! Kristine Lilly. Goal! Kristine Lilly! Goal, USA! Kristine Lilly, good shot, great goal! Fabulous goal from Kristine Lilly. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez apprécié cette compilation des plus beaux buts de Kristine Lilly. Avant de conclure la vidéo, j'aimerais vous parler quelques instants de cette joueuse incroyable avec quelques chiffres dans un premier temps. Kristine Lilly, c'est la recordwoman du nombre de caps en sélection nationale, hommes et femmes confondus, avec 354 sélections avec l'équipe nationale américaine. C'est également 130 buts inscrits pour les États-Unis et plus de 150 au total en comptant les buts inscrits en club. Kristine Lilly est aussi double championne du monde en 1991 et 1999 et double championne olympique en 1996 et 2004. Elle a également été élue deuxième meilleure joueuse du monde par la FIFA en 2006 derrière la brésilienne Marta, et elle a disputé son dernier match avec la sélection américaine le 5 novembre 2010 lors d'une défaite face au Mexique. Voilà pour la petite présentation encyclopédique. Avant de continuer, je voudrais savoir qui est votre numéro 13 américaine favorite. Est-ce que c'est Kristine Lilly? Est-ce que c'est Alex Morgan? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais à présent parler d'un moment crucial dans la carrière de Kristine Lilly, à savoir la finale de la Coupe du Monde 1999 face à la Chine. Comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo dédiée au sujet, le sort du match s'est décidé au tir au but. Et si les Américaines ont pu arriver jusque-là, c'est en grande partie grâce à Kristine Lilly. En effet, la prolongation était encore à l'époque soumise au système du but en or. Cela signifie que la première équipe à marquer remporte le match. À la 10e minute de la première prolongation, sur un corner adverse, la chinoise Fan Yuji reprend le ballon de la tête. Une tentative repoussée sur sa ligne de but par Kristine Lilly alors que sa gardienne Brianna Scurry était battue. Une action salvatrice due à une routine de travail exceptionnelle. J'ai été au poteau 354 fois et c'est la seule et unique fois où j'ai sorti un ballon de la tête. Ce sont toutes ces petites choses qui comptent. Votre travail peut vous sembler monotone, faire encore et encore la même chose jusqu'au jour où ça vous sera utile et vous vous direz « Dieu merci, j'ai fait mon travail ». Tony DiCicco, le sélectionneur américain de l'époque, a également parlé du sauvetage de Lilly. Il fallait qu'elle soit là une fois sur 100 et elle était là. Tony DiCicco n'a jamais tari d'éloge à propos de la célèbre numéro 13 américaine. C'est probablement la joueuse la plus sous-estimée au monde. Elle n'a jamais été tape à l'œil, jamais spectaculaire, mais elle faisait toujours ce qui devait être fait. D'une manière ou d'une autre, elle faisait toujours le bon choix. La bonne passe, le bon tacle, la bonne remise en jeu, le bon tir. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous citer les propos de Mia Hamm à propos de son ex-coéquipière. J'ai adoré cette citation car elle semble parfaitement résumer l'éthique de travail de Kristine Lilly. Elle prêtait attention aux détails, elle les faisait bien à chaque fois. Elle maîtrisait l'ordinaire et ça la rendait extraordinaire. Magnifique conclusion. Et s'il y a bien une autre joueuse qui était extraordinaire, c'est bien Mia Hamm. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo de ses plus beaux buts avec commentaires historiques comme je viens de le faire avec Kristine Lilly. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à la regarder.